Moule de bouchot à la provençale. Un petit coup sous l'eau et on les gratte juste avant. Et oui, un petit tour en Bretagne Nord, ça fait toujours du bien. Et au passage, cette appellation, eh bien, elle permet de garantir 450 emplois dans la région. Tiens, pour la sauce tomate, vous connaissez le truc, on retire la peau avant, ce sera plus agréable en bouche. Et pour la base de la sauce, vous connaissez les classiques, de l'huile d'olive, de l'ail et de l'échalote. Je vous ai parlé d'une sauce à la provençale, alors quelques herbes, voilà, elles sont séchées, celles-ci. J'attaque les tomates. Du sel pour l'assaisonnement et puis aussi pour aider la tomate à rendre son jus. Et les voici, nos herbes, du persil et du basilic. Qu'est-ce que ça sent bon? Je peux vous dire qu'on va se régaler. Alors maintenant, il faut que ça réduise et que ça fasse connaissance, hein, vous connaissez le truc. 20 minutes à feu moyen, à découvert. Un petit coup de vin blanc quand ça a bien réduit. Je reporte ébullition et j'ajoute les moules. 5 minutes à couvert, le temps qu'elle s'ouvre, et à table. Je mélange avec la sauce tomate et maintenant ne traînez pas, hein. Ça se mange chaud, mais sont courants. Allez, salut, à bientôt.